Bonjour, nous voici à Ambert le Poyer. Ambert, situé sur la vallée de la Dore, entre le Livradois et le Forez. Voici notre avion, un Cessna 172 S. Voici pour l'intérieur et nous voici à l'extérieur. C'est un avion 4 places. Alors nous allons prendre un peu de hauteur, un peu d'altitude. D'abord, se transporter à 3000. À 3500 pieds. Voici notre avion hélice calée à 3500 pieds au-dessus de l'aérodrome d'Anvers. La ville d'Anvers. Prenons encore un peu plus d'altitude. À 5500 pieds. Erreur. 5500 pieds. À nouveau la ville d'Anvers, au nord Vichy, au sud Le Puy, les monts du Forez sur notre droite, les monts du Livradois sur notre gauche, les monts du Livradois culminent à 1200 mètres d'altitude. Voici à l'arrière le Puy-de-Dôme, le Sancy et les monts du Cantal. Prenons encore plus d'altitude. Cette fois-ci, montons à 10 000 pieds. Oh, puis non, 20 000. Là, on a une vue sur toute la région, avec au fond les Alpes et le Mont Blanc. Voilà. Eh bien, redescendons sur le plancher des vaches. Nous voici de retour sur le plancher des vaches. Bien. Voici la carte de la région. Comme je vous disais, Clermont-Ferrand, Lyon à droite, le
le massif des Alpes par là. Nous voici au Poyer, la ville d'Ambert en face de nous. Notre parcours va consister à contourner la ville d'Ambert, prendre la direction de Saint-Amand-Rochechavine, ensuite revenir sur Fournols, Saint-Germain-l'Hermes, de là pointer sur la Chaise-Dieu, puis revenir dans cette direction sur Saint-Anthème, et de là emprunter la ligne de crête du Forêt jusqu'à Pierre-sur-Otte, qui doit être dans ce secteur-là, puis redescendre dans la vallée et revenir à Ambert par la vallée. Bien, préparons l'avion. Voilà, pendant que le moteur chauffe quelque peu, préparons quelques paramètres de vol. D'abord l'altitude, dans un premier temps nous allons monter à 4500 pieds, c'est-à-dire 1780 mètres d'altitude. Puis dans un deuxième temps nous monterons à 5500 pieds, c'est-à-dire 1680 mètres d'altitude. 4500 pieds, et moi 1360 mètres d'altitude. Pour survoler l'Ivradois, dont le sommet est à 1200 mètres. Quant à nos forêts, nous survolerons à 5500 pieds. Le sommet est à 1650 mètres et nous naviguerons à 1680 mètres d'altitude, c'est-à-dire nous passons à côté. Bien. L'altitude étant calée, le baromètre Ambert, 1848 pieds, QNH 1014 hectopascal, tout est bien. Nous allons monter à une vitesse de 85 nœuds, un nœud 1800, un nœud 1,85 km/h. Voici les 85 nœuds. Alors, je vais utiliser le pilote automatique de cet avion, ce qui facilitera la tâche pour faire à la fois les commentaires, manipuler les vues, hein, moins l'avion restera stable. Bien, et bien nous y voici. Nous sommes prêts à rouler. Nous avons demandé l'autorisation à notre contrôleur. Et à notre tour.
Eh bien, nous voici sur la piste 2 à Ambert. Voilà, on va utiliser, non pas utiliser le bord, mais utiliser l'indicateur de bord pour matérialiser l'axe de la piste. Petite correction. Voici. Bien, est-ce que tout est bon? Tout est bon. Landing, taxi, tada. Et bien c'est parti. Un grand volet. Et prendre le cap 250, pointé sur Saint-Amand-Chaville. Voici, nous sommes arrivés à 4500 pieds.
Marquons une pause ici. Où sommes-nous? Eh bien, nous sommes au-dessus du Monestier, mon pays natal. Et je peux vous montrer très exactement ici la maison de mes parents. Voilà, elle est ici, elle est exactement ici. Et quand on grossit, on voit ici une voiture, c'est la voiture de mon frère. L'avantage de X-Plane, ainsi que les autres simulateurs, c'est de pouvoir faire des pauses, ce qui permet d'observer le paysage, faire des commentaires. Eh bien, continuons. En direction de cette aventure. Deuxième pause sur Saint-Amaroche-Savine. Saint-Amaroche-Savine, le chef-lieu du canton, avec un collège qui est ici précisément. C'est ici le cours complémentaire où j'ai poursuivi une partie de mes études, de la 6e à la 3e. À l'époque, il s'appelait cours complémentaire, il est devenu CEG par la suite. C'est aussi le pays où habite André Chassaigne, qui a été directeur de ce cours complémentaire. Il se trouve qu'André Chassaigne est un cousin un peu éloigné à moi. Nous voici donc sur cette aventure. Maintenant, nous allons nous mettre au cap 200 pour pointer sur Fontenolle. Une pause
on peut voir que au-dessus de la carte Google, donc une carte satellite qui est nécessairement en plan, ceci est une carte satellite réelle, eh bien au-dessus, nous avons des constructions qui sont en relief. Il se trouve que ces constructions sont réelles. C'est moi qui les ai dessinées avec le logiciel SketchUp. On profile des silhouettes de bâtiments dans leurs proportions et on vient plaquer des photos de chacune des façades, des toitures, de façon à donner un résultat parfaitement réaliste. Voilà, prolongeons pour ce. Il faut que j'aille un peu plus loin. Voilà. Eh bien, ici, la maison où j'habite lorsque je suis en Auvergne. Ici, la maison de ma belle-mère. Et là, une installation qui appartient à mon beau-frère. Continuons notre route. Donc nous venons de survoler Fondol et nous nous dirigeons côté de Saint-Jean-Malherbe. Voici le parcours que nous avons suivi jusqu'à présent. Ce planète, c'est ce que je veux dire.
Faire une petite correction de cap à gauche. À partir de là, nous allons nous mettre au cap 30 pour pointer sur Saint-Anthème. Thank you.
partir de là, nous allons revoir notre cap, peut-être franc. Nous allons revenir au cap 10 environ pour remonter la vallée de Lens en direction de Saint-Antoine. Pierre-sur-Othe qui doit être ici. Ici, plus haut que ce sommet-là. Thank you.
col du Béal. Il doit peut-être quelque part ici. Nous allons effectuer un virage dirigé sur Bertolaye, dans la vallée. De l'altitude pour descendre dans la vallée. Ouais, on va corriger encore un peu le cap. Et voici Bertolaye. Petite pause. Voici le village de Bertolaye, ici, avec une usine, l'usine Avantis, qui avait pour nom Roussel-Uclaf à l'époque où j'y ai travaillé pendant 7 années. Et le bâtiment où je travaillais est très exactement ici. Bien, nous avons atteint 3500 pieds. Petite correction encore pour aller se rapprocher de la vallée. En face de nous, mon père. Ici, très exactement. Voilà, donc nous allons préparer notre approche en nous positionnant 2900 pieds qui nous permettra de faire notre vent arrière.
descendre pour 3500 mètres de taf. Et nous allons arriver parallèle à la piste, comme vous l'indique l'axe de la piste, c'est ceci. À partir de là, on pourra ralentir quelque peu. Voilà, nous arrivons dans le travers mouillé. Voici la piste. Bien. Préparons notre drapeau pour la descente. Un écran brûlé. Un premier virage à 90. Un deuxième virage à 90.
piste, hein, pas de la piste. Je vais être un petit peu à côté là. Voilà. Parking. Arrêt moteur. Et voilà. Eh bien, merci pour ce petit voyage.